le bureau, on a décidé, on allait continuer sur les horaires de 18h45 le mardi et le jeudi. Les débuts du club, c'est vrai qu'on est en train de se structurer, donc la structure, c'est au niveau de l'encadrement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de tout ça. Donc l'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est l'état d'esprit de chacun, qui est différent de plus ou moins de ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on part sur de bonnes voies. On arrive à prendre du plaisir, à prendre au sérieux. Donc il faut continuer comme ça, pas se prendre la tête. Aujourd'hui, on a besoin de volontaires au niveau de l'encadrement. On a sollicité des personnes pour voir s'ils étaient volontaires pour s'investir au niveau de l'entraînement, au niveau de l'encadrement pour entraîner. On a sollicité dernièrement Alain, qui a répondu favorablement pour encadrer ponctuellement quelquefois le groupe des filles, parce qu'il dort pas. Il dort pas. Donc ça sera plutôt, on est en train de voir, mais ça va. Là, tant qu'on s'entraîne à la piste, c'est pas très facile, mais c'est beaucoup plus facile d'encadrer différents groupes de niveau quand on est à la piste, surtout de la manière dont on a procédé avec les tests de VMA, qui sont personnalisés à chacun, avec les tableaux d'allure, ça permet d'avoir un entraînement personnalisé, et chacun est à son niveau, donc chacun travaille aux allures où il doit travailler, mais ça va devenir un peu plus compliqué. On l'a vu un petit peu l'année dernière, quand on va partir en colline. Donc là, quand on va partir en colline, on se sert de l'expérience qu'on a eue, on en a formé quelques-uns et quelques-unes là, quelques fois. Donc, à éviter. Involontairement, bien sûr. C'est pas sûr. Donc là, l'aide d'Alain sera précieux, et puis d'autres, s'il y en a qui veulent se joindre, pour voir comment on peut s'organiser. Quoi dire d'autre? Au niveau des entraînements, les entraînements, les plans d'entraînement, on a décidé au niveau du bureau, on construit les entraînements par rapport à des objectifs club qu'on a définis, par rapport à des courses, c'est-à-dire qu'on choisit la course, et puis par rapport à la course, on remonte le temps pour construire les plans d'entraînement. Donc il faut bien en choisir. Après, si vous avez des courses particulières à faire, on est là pour vous filer un coup de main aussi si vous en avez besoin. Les entraînements en colline, c'est marqué, sont réservés aux seuls adhérents membres du TAC. Pourquoi? Parce que justement pour conserver l'esprit convivial du club, qui est l'affaire de chacun, c'est bien d'inviter des petits copains à droite, à gauche ou quoi que ce soit, c'est bien, si c'est ponctuellement, c'est bien. Mais après, bon, on est un club, il faut que ça reste l'esprit club. Si on commence à ouvrir à n'importe qui, n'importe quoi, le but du jeu, c'est d'arriver à être un groupe et un groupe cohérent. Concernant les stages des futurs entraîneurs, on se répète, hein, s'il y a des bonnes volontés, et même des filles, ça serait super. Ouais. S'il y avait une fille, ou même plusieurs, mais au moins une fille qui pouvait s'impliquer, ça serait plus que pas mal.